Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On fait de la prime ou bien de l'intérim. On n'a jamais le temps de boire un verre sans que ce soit en service commandé. Tandis que Gaspard, c'est un pauvre noir qui balaye les trottoirs. Quand il a fini de balayer, il rentre chez lui et il va se coucher. Margot, c'est une dactylo, assise derrière son bureau. Elle se bourre de chocolat. Quand il n'y en a plus, elle va au cinéma. Et moi, je passe mes journées à me déguiser. Et je suis toutes les nuits sous la pluie. Je risque les mauvais coups et je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On a les embêtements les plus divers. On n'a jamais le temps de boire un verre sans risquer de l'avaler de travers. Tandis que Jojo d'ici les moulineaux, c'est un conducteur de métro. Quand il arrive au terminus, il va se promener en autobus. L'oncle du mari, ma belle-sœur, travaille chez le cousin de ma mère. Le dimanche, il fait la java avec le beau-frère du cousin de papa. Et moi je fais tour à tour le garde du corps, la voyante et la lucide. Et ça m'intimide et je dois me battre en duel. Et je trouve ça immoral. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Appelle la concierge. Vous êtes coincé? Oui. Ne vous envolez pas, on va vous tirer de là. Comment? On va vous tirer de là. Qu'est-ce qui se passe? Une panne? Qui est dans l'appareil? Max Sévig, de l'agence intérim. Colonel Boildieu, du deuxième étage, porte à droite. Bonjour, garçon. Mais reste pas, mon colonel. Allô, le rez-de-chaussée? Allô? Ça sera pas long. Vous avez entendu, garçon, les techniciens arrivent. Pas de panique, terminé. Les circuits électriques ont l'air de fonctionner. Allô, la cabine. Allô, la cabine. Restez en contact avec moi, j'assure la liaison avec le sol. Terminé. Qu'est-ce qu'il lui prend? Combien de temps pouvez-vous tenir là-haut? Je ne sais pas. Monsieur Otis n'était pas là. Heureusement, j'ai eu Monsieur Biff au téléphone, il arrive tout de suite. Vous entendez, mon colonel? Les techniciens arrivent tout de suite. Bien reçu. Allô, la cabine? Allô, la cabine? Les techniciens arrivent tout de suite. Terminé. Allô, le sol? Allô, le sol? Allô? Vous faites du bon travail. Bravo. Terminé. Ils peuvent arriver dans une heure, les techniciens, avec les embouteillages. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tenter une sortie. Tu veux sortir de la cabine? Oui, Max. On l'a déjà fait avant moi. Qu'est-ce qui se passe dans la cabine? Mon équipier est sorti. Mais vous êtes fous, ça n'est pas dans le programme. Affirmatif. La panne est réparée. C'était seulement un plomb. Dites aux passagers de fermer les portes, on va les récupérer.
est de regagner immédiatement la capsule. Terminé. Merci, mon colonel. Colonel, je vous en prie, toujours à votre disposition. Quel magnifique garçon. Ils auront probablement été retardés. Je suis désolée de vous faire attendre. Oh, je vous en prie. Ils sont allés essayer des tenues. Oui, nous allons faire des dépliants. L'agence intérim vous remplace jusque dans l'espace. Salut. Messieurs, d'abord restez assis, on va changer. On en a pour une seconde. Un instant. Vous pouvez rester déguisé, ça nous gêne pas. Ah, bravo. Ah, oui, alors là, bravo, hein. Ça, vous n'avez pas raté votre effet, ça. C'est pour un bal costumé. Mais organisé par notre patron, M. Cirilli, vous connaissez? Non. On est les gardes du corps de M. Cirilli. Ah, bon? Mais vous savez ce que c'est dans les affaires. Quand on réussit, on fait des envieux. Il est très bien, votre costume. C'est moderne. À l'épreuve des balles? Sûrement, oui. Non, ça va. Épatant. Vic, ça va? Oh, Vic. T'as pas les nerfs très solides, votre associé. Oh. Vous allez sortir de ce bureau tout de suite. 1 million. Quoi? 1 million. Attends. 10 000 nouveaux francs pour vous. Si vous nous accompagnez chez M. Cirilli. Tout le monde sait que ce soir, nous serons déguisés en mignons. Alors, ça va pas être facile dans ces conditions de protéger M. Cirilli. Si vous acceptez de mettre nos costumes, c'est vous qu'on prendra pour les gardes du corps. Et nous, bien à l'abri dans vos scaphandres, on pourra surveiller les invités. Si vous craignez un mauvais coup, pourquoi n'appelez-vous pas la police? Ah là là, on va pas appeler la police pour des soupçons. Ça gâcherait la soirée. J'ai entendu parler d'un million. Vous reconnaîtrez facilement M. Cirilli. Il a une grande balafre. Il est déguisé en duc de Guise. Ah, on doit livrer 2 billes bokeh pour vous chez M. Cirilli. Le costume est... Ensuite, il paraît qu'on s'arrache les billes bokeh à Paris. Okay. À tout à l'heure. Oui. C'est beau, hein? Une panne. Une panne? Pas de panique! Allô la cabine? Ça fait 20 ans que je fabrique des bombes. Ouais. J'ai fait sauter des coffres-forts, des trains, des ponts, un ministre, 3 avions, 42 voitures. Ah, bref, mon vieux, on est pressé. Ah, oui, après. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai fait mon chef-d'œuvre. Tu crois que ça va marcher? Tenez, regardez. Oui. La charge est dans la boule et le détonateur est dans le manche. Quand le joueur réussit son coup, il explose. Le billboquet fait boum. Ça va être une drôle de surprise pour les gardes du corps de Cirilli. Toi, tu es sûr qu'il ne se doute de rien? Impossible. Bon. J'ai attendu le livreur à la sortie de la boutique. Je lui ai donné 100 francs pour prendre les billboquets. On a à peine 1 heure pour les piéger. Et je vais les porter tout de suite. Bon. Bon, attends. Et s'il n'arrive pas à mettre la boule dans le manche? Même un ivrogne y arriverait. J'ai truqué le centre de gravité de la boule. Tenez. Regardez. Arrête de jouer avec ça! C'est pas fou, non? Tu vas tout faire sauter! Bon. On va attendre devant l'hôtel particulier de Cirilli. Et quand on entendra l'explosion, on entrera. Je pousse la porte. Cirilli est là, en train de trembler. Il y a des morceaux de garde du corps un peu partout. Je regarde Cirilli. Et je dis... Alors, Cirilli... Ça va comme tu veux? T'es un peu faible, peut-être. Comment? Tu trouves? Oui, vous pouvez faire mieux. Bon, moi j'y vais. Fais gaffe. À tout à l'heure. Ouais. Allô, mon colonel? La panne est réparée. Bien reçu. L'opération a duré 1 heure cette fois. Allô, la cabine? Allô, la cabine? Fermez les portes, garçons! On va vous ramener au salle. Terminé.
ça marche, ils sont partis. Pour les techniciens, hip hip hip, hurra! Je suis bien chez Monsieur Cirelli. Oui. Voilà les bilboquets. Merci, mon ami. À une petite formalité. Terminé, vous pouvez sortir. Vous avez un revolver à gauche, au niveau du pancréas. Merci. Vous n'avez pas d'arme sur vous, monsieur. Ah non. On va faire une petite radio. Je vous en prie. J'ai eu un cas intéressant tout à l'heure. Une mitraillette sous le poumon gauche. Tiens. Voilà, c'est terminé. Vous n'avez pas avalé une clé quand vous étiez petit? Si, et la clé de ma chambre. Et ça ne vous gêne pas? Non, je l'ai en double. Ah bon? Alors? Oh, il n'y a rien à faire. Alors, d'abord l'ascenseur et puis la voiture, c'est la série. On va appeler une dépanneuse. Ah non, j'ai laissé mon porte-monnaie dans mon pourpoint. Eh ben, moi aussi. Bon, ben, allons-nous-en, on étouffe là-dedans. Bon, il y a un garage, pas loin, on va y aller à pied. Ben alors? La porte est coincée. Quoi? Ben, je peux pas ouvrir. Mais donc, on va manquer d'oxygène, il y a très peu de réserves dans ces cabines. Ah, le patron va être furieux, on a plus d'une demi-heure de retard. Je parle pas, économise l'oxygène. Je tirais au lieu de pousser, c'est pour ça que la porte était coincée. D'intérim. Eh oui, je sais. C'est vous qui devez aider mes gardes du corps. Oui. Voyez-vous ça? Je sais pas, ça. Eh bien, de votre état là. Oh, je veux pas ça du tout, hein. Alors, vous vous servez et vous vous postez devant la porte. Parce que j'attends une visite vraie de la grenade. Alors, si je présente, vous tirez d'abord et puis vous l'annoncez ensuite. Allez, santé, messieurs. Je t'en prie. Oh, oh. Jourdi Lévesque. Très heureux. Beau bilboquet que vous avez là. Oui. Vous permettez? Je vous en prie. Bien. Je recommence? Oui, oui, oui. Alors, et cette explosion? Patience, monsieur Fred. La soirée est à peine commencée. Tu es sûr que les gardes du corps sont là? Oui. Je les ai vus entrer tout à l'heure avec leur costume de mignon. Pourvu qu'ils jouent avec leur bilboquet. Ça y est, c'est réparé, on va vous redescendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, l'élévateur est coincé. L'élévateur est coincé. J'ai entendu. Un graissage et une vidange. Bonjour, mon colonel. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Ben, l'élévateur est coincé. Ah? Ouais, les gars ne peuvent pas redescendre. Mais il faut absolument les récupérer. Je m'en occupe. Allô, la voiture.
Allô, la voiture, vous m'entendez? Cette fois, c'est le bon. Et oh, l'évêque, qui te paye? Comment? Non, je te demande qui te paye, l'évêque. Et pourquoi? Ben pour distraire mes gardes du corps, là. Ce ne serait pas Fred de la Grenade? Par mais hasard? Dis, oh, je t'observe depuis tout à l'heure, là, tu fais le sage avec ton bilboquet, là. Tu vois mais... pas que tu les empêches de mater à la porte? Mais pas du tout! Allez dehors, fichez-le dehors. Mais Cyrilli, je t'assure! Tu préfères rester ici? Non, 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 je m'en vais. Je m'en vais tout de suite. Eh bien, ça doit pas être bien sorcier, là, ce peuple-là. Oh, on dit maître d'hôtel, hein. Tes bouteilles, tu les débouches à la cuisine, hein? Mal se terminer cette histoire. Je pense pas, ça ne sera rien de s'inventer. La folie de s'être engagé là-dedans et jouant un peu. Ça va nous détendre. Oh. Alors? Ah, patron, excusez-nous. On a eu tous les voleurs. Allez, on s'expliquera plus tard. Pour le moment, prenez votre boulot, là. Vous allez pouvoir vous détendre un peu, là. Venez, les gars. Oui. Prenez un verre, là. Oui. Santé, hein. Bon. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que vous avez à trembler comme ça? Ben, on ne tremble pas, non? Pourquoi voulez-vous qu'on tremble, on... Pour rien. Mais faites-le devant voir un peu, là. Que vous ne tremblez pas, moi, je vous donne trois essais. Mais on n'a aucune chance. Chaque essai supplémentaire coûte 1000 francs. Quoi? Quoi? Au-delà de trois essais. Pourquoi? Pour rien. Il est bien entendu que si vous réussissez avant le troisième coup, c'est moi qui paye. Si. Alors? Ah! On peut payer par chèque? On verra ça tout à l'heure. Deux. Où sont-ils? Qui? Les cosmonautes. Où sont-ils? Mais, colonel, asseyez-vous. Expliquez-vous. Mademoiselle, je vous demande pardon de faire irruption chez vous comme ça. Mais j'ai de graves raisons. Voilà. Oh là là. Les cosmonautes. Non. Si, ils m'ont frappé sans prévenir et se sont enfuis. Mais quand? Comment, mais quand? Mais à l'instant même, ils étaient coincés sur l'élévateur au garage. J'ai voulu les aider et remporte. Ah, ils sont jolis, vos associés. Oh, mais colonel, ce ne sont pas mes associés qui vous ont frappé. Comment ce ne sont pas vos associés? Mais vous non, avez... ils ont prêté leur tenue à des clients cet après-midi. Comme... Mais alors, ce sont vos clients qui m'ont frappé? Ah, ben... oh, ils sont jolis, vos clients. Frapper un homme qui cherche à les aider. Colonel. Au moment où je leur répétais les consignes de sécurité, colonel, ils ont bondi de l'élévateur et ils m'ont frappé dans l'œil. Colonel! Colonel Boisdieu, j'écoute. Colonel, ces hommes sont des gangsters et je suis très inquiète pour mes associés. Des gangsters? Oui, j'ai peur que Max et Vic aient été embarqués dans une sale histoire. Des gangsters? Mais alors ça regarde la police! Je m'en occupe! Oh non! Non, on sait jamais. Si ce n'était pas des gangsters, là j'en serais ridiculisé. Sur place. Où allez-vous? Dans un hôtel particulier à Neuilly. Il donne un bal costumé. Je vais avec vous. Vous? 9h15. Non. Comment non? C'est pas à nous, ça. C'est une conduite de gaz ou un tuyau d'échappement. C'était trop beau. Comme si j'allais confondre mes bombes avec une conduite de gaz. Je me voyais déjà dans le salon de Cyril. Il n'a plus de garde du corps. Il est tout seul. J'entre et je dis, alors, Cyrilli, ça va comme tu veux? Moi, je veux pas avoir l'air de me répéter, mais je trouve ça un peu faible. Bon, toi, tu commences à m'énerver, hein? Bon, bon, j'ai rien dit. Alors, Cyrilli, prêt pour le grand voyage? Et pourquoi pas? Il faut trouver quelque chose de fort, une phrase qui marque. Alors, Cyrilli... Alors, Cyrilli. Comment on dit?
Et alors, qu'est-ce que c'est encore ce travail-là? La jeune femme de l'agence est dans l'entrée avec son... leur associé. Ah bon, parce que vous avez une associée, vous? Ah oui, Mireille. Mireille, oui. Mais elle vous a dit qu'elle viendrait vous retrouver ici? Oui. Ben oui. Eh ben alors, faites-la entrer, quoi. On reprendra la partie tout à l'heure. Oui, oui. Je m'ennuie à l'agence, alors je suis venue avec papa. Avec papa? Oui, j'ai accompagné ma petite Mireille, je la vois si rarement. Bon, alors, tu es aidé. Vous aussi, champagne? Champagne? Qu'est-ce que vous faites ici? Je contre-attaque. Vous êtes fous, ils sont dangereux. J'ai dit à votre associé, là, que vous étiez les champions au Bilboquet. Ah bon? Oui, on était à 136, je crois. Oui. Alors vous perdiez 133 000 francs. Qui a fixé la mise? Moi. 1000 francs par coup manqué. À ce prix-là, on a la main moins sûre. Une seconde. À partir de quelle somme commenceriez-vous à trembler? Trembler? Moi, j'ai jamais... Faites-nous voir que vous ne tremblez pas. Dix mille francs, c'est la somme. Bon, vous êtes... Tout seul dans ton cercueil, Cyrilie. Hein? Enfin, je ne vois pas vraiment ce que vous ne comprenez pas. C'est pourtant facile, vous entrez et vous dites « Salut, Cyrilie, tu seras tout seul dans ton cercueil. » Je pourrais jamais dire ça. Non, non, il faut trouver autre chose. Oui, ben alors tout de suite. Ça va exploser d'un moment à l'autre, hein. Oui, allez, assez, là. Vous m'énervez tous, là, me regardez, moi. D'abord, je ne peux pas jouer, moi. C'est vrai, J'aime ce qui bouge, ce qui me fait du bruit, là. Alors, soit un petit bokeh, ça fait pas de bruit. Allez, venez, on va s'amuser un peu. Passez par là, je vois. Allez-y, là. Faites-y, là. Amusez-vous. Moi, j'aime ça, là. Je vois ce qui fait du bruit, là. On fait une partie? Je veux bien, mais il n'y a pas de boule. Ah, c'est vrai, il y a l'équipe, mais il n'y a pas de boule. Ah, ben, tiens. Eh, allez, vas-y. Commence. Hein. Oui, oui. Alors, Cyrilie. Alors, Cyrilie. Alors, et alors quoi, Fred? Ça va comme tu veux. Non, ben dis, c'est tout ce que t'as trouvé, toi, Fred. Mais ne crains pas, Cyrilie, tu es tout seul maintenant, tu es tout seul. C'est toi, hein. Tu seras tout seul dans ton cercueil, Fred. C'est vrai que ça sonne bien. Dites, oh. Je vais compter jusqu'à 5. Quand j'aurai fini de compter, vous tirez. 1. Cyrilie, écoute-moi, Cyrilie, je te donne tout ce que j'ai. Mon argent, mes propriétés, mon écurie de course. J'ai un cheval, il a fait second dimanche à Auteuil. Deuxième. 2. Cyrilie, je t'en prie, c'est un bon cheval, affectueux et tout. Ouais. Et sobre, il ne boit pas, il ne fume pas. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est un bon cheval. 3. Bon, si tu n'aimes pas les chevaux, je le garde. Non, je comprends, non, il y a des gens qui n'aiment pas les chevaux. Non, je comprends, ça va. Bon, mais je te donne mon chalet à la montagne. Je l'ai fait construire cette année. La chaudière est neuve. 4. Cyrilie, je t'en supplie, ne dis pas 5. Dis tout ce que tu veux, tout, toi, mais ne dis pas 5. 5. 4. Personne ne bouge ou tout sort. Cette boule contient une charge explosive. Vous pouvez m'en croire, j'ai fait 30 ans dans l'artillerie. Hé, jouez pas avec ça, on va tous sauter. C'est moi qui l'ai fabriqué. C'est vous. Bougu. Colonel Boieldieu. Adjudant-chef Bougu. Ça, par exemple. Vous voyez, mon colonel, j'ai pas changé. Toujours les bombes. Mais vous n'êtes plus dans l'armée, adjudant-chef Bougu. Non,
Je suis dans le privé maintenant. Je travaille pour des particuliers. Non, vous pouvez lâcher cette bombe, mon colonel. Maintenant, ils ne bougeront plus. Non, mais dire qu'on a joué avec ça pendant toute la soirée. Voilà. C'est du beau travail. Je n'aurais pas fait mieux. Bon, allons, mon colonel. C'est vous qui m'avez tout appris. Combien de temps sommes-nous restés ensemble, Bougie? 30 ans, je crois. Vous gagnez beaucoup mieux votre vie maintenant. Oh, ben de ce côté-là, c'est pas comparable. À l'armée, j'avais un petit fixe. Hmm? Et puis maintenant, je suis payé à la bourse. Ah, ça permet d'arrondir la retraite, n'est-ce pas, Bougie? Je comprends. Vous êtes gentil de me dire ça, mon colonel. Les voilà. Ils ont entendu l'explosion. Je suis content de vous avoir revu, Bougie. J'irai vous dire bonjour, oui. L'ascenseur est en panne. En passe, ça ne fait rien. On va descendre à pied. Le car nous attend en bas. En route tout le monde. Allez. Ça a marché? Pas de panne? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On fait de la prime ou bien de l'intérim. On n'a jamais le temps de boire un verre sans que ce soit en service commandé. Tandis que Gaspard, c'est un pauvre noir qui balaye les trottoirs. Quand il a fini de balayer, il rentre chez lui et il va se coucher. Margot, c'est une dactylo, assise derrière son bureau. Elle se bourre de chocolat. Quand il n'y en a plus, elle va au cinéma. Et moi, je passe.